Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de Final Fantasy X-2 Edge Master. Dans l'épisode précédent, nous avons combattu Yojimbo Purgateur dans un combat, je n'irai pas jusqu'à dire, ras du fil, mais quand même assez disputé, avec beaucoup de zones mato, etc. Ça a été dur, hein. ça a été compliqué. Mais on s'en est sorti. Du coup, c'était ça. Hein. Mission accomplie, la félicité est devenue le paradis des touristes. Au fait, vous devriez essayer de gagner un max de jetons en jouant dans les comptoirs, un autre jour peut-être. Mon gars gazette, arrêtez les Ronzo. Les jeunes Ronzo refusent d'écouter Kimari qui a décidé d'aller exterminer les Guado. Kimari ne veut pas ça, bien entendu. Je sais que c'est un problème de Ronzo, mais quand même. Allons-y. Allons voir ce qu'il en est. Pas beaucoup de Ronzo. Yuna must leave. Ronzo youth use force, seek vengeance for fallen Ronzo. Garrick lead angry Ronzo youth, decide to take revenge on Guado. Garrick go to battle, now Garrick climb peak, tell mountain battle plan. And you're just gonna wait here? Garrick hear voice of mountain. Garrick change mind. Kimari hope so. Tu t'en remets à la montagne. Kimari stop Ronzo youth. That's crazy. Elder Kimari have no choice. Kimari give Yuna something. Oh. Kimari search mountain, but find only sphere. Kimari not know if found sphere is one Yuna seek. But Kimari happy if sphere help Yuna. On a gagné la vétisphère dresseuse. Incroyable. Kimari. Yuni, this isn't good. There's still time. Should we follow them? Mais bien sûr. We're going up. Maybe we can reason with him. On s'en fiche de la hiérarchie des Ronzo. If Yuna go, Kimari think Garrick listen. Maybe. If not, Kimari deal with Garrick. On s'en occupe, Kimari. On sera les prochains elders de ton clan, aucun souci. Stopper l'attaque des Ronzo, Garrick, aveuglé par la rancune, a décidé de lancer une attaque contre les Guado. Retrouvez-le au sommet du Gagazette et arrêtez-le, même par la force s'il le faut. De toute façon, il y a un téléporteur. Le téléporteur ne fonctionne plus. Garrick a saboté le téléporteur, il faut aller sur les autres stèles pour les réactiver. Oh, salaud! Vétisphère. Dresseuse. On va y combattre votre fidèle compagnon et appeler ses amis en renfort. Chaque animal a ses propres compétences. Compétences. Alors. Dresseuse. Sacro Daigon. Affiche des attaques élémentaires sacrées. Ah oui, d'accord. Regard de HP, Daigo niveau 2. Et ici, est-ce que c'est les mêmes compétences ou pas? Et non! Là, c'est basé sur... fiche des dégâts et une altération d'état. Voler des objets. Ah, c'est une espèce d'alternative à chanteuse, du coup. Ok. Et si, j'imagine que ça va être surtout sur les... Ah non, c'est aussi les altérations d'état. J'étais en mode... Oh, il peut mettre KO. Ok, tout va bien. J'étais en mode, ça va être sur les stats, mais pas du tout. Ok, ça peut être potentiellement intéressant pour Riku. Cette histoire. Après, au niveau des stats, faut voir ce que ça donne. Palette. Elle est sur quelle palette, Riku? J'ai oublié. Riku. Chaudron magique. Du coup, Riku, palette. Compliqué la vie. Hein. Chaudron magique. Sur mes dresseuses, ici. ...60 points de magie. Ça, c'est pas la mort. Et elle gagne 50 points d'attaque, quand même. Ok.
cas, c'est un truc relativement équilibré. Ça marche. Bon, on est bon pour se taper toute l'escalade. Par contre, si on voit des Ronzo qui marchent en même temps, c'est plutôt stylé. Ma foi. Les jeunes Ronzo attendaient le jour du combat depuis longtemps. Ah oui, mais il faut se calmer quand même. Oula. Un scrut à mort. Ok. C'est plus que le scrut à mort. Elle a stoppé ma chanteuse. Mais vu qu'elle était en train de chanter, ça ne change rien. C'est la beauté du truc. Enfin, elle était en train de danser techniquement, mais... J'imagine que l'effet reste, du coup. Kimari parle avec sagesse, mais les Ronzo ne peuvent plus contenir leur colère. C'est bien de reconnaître que Kimari parle avec sagesse. Ce serait bien aussi d'écouter cette sagesse, accessoirement. Vous avez été pris par surprise? Ah bah non. Enfin... Oula, ouvert sous le bassinet. Le bassinet ouvert sous les... extermination. Briscoque, mon gars. Sur le bassinet. Regarde paralysant. Bah non! M'a stoppé Bayuna. Quelle drôle d'idée. J'ai rien contre stop. Non, j'ai rien contre stop, je suis obligé de faire un remède. Oh, les nerfs. Expérience 0. J'espère que ça va pas marcher. Si. Pas possible. Extermination, Briscoque, encore. Oh, il veut pas mourir. Ok. On a eu le Jean-Claude. Et on va devoir se soigner. C'est toute urgence. Take that. Ok, des rideaux d'étoiles exceptionnels. On va enlever le poison. Hop. On est bon. Les Ronzo veulent entendre de leurs propres oreilles la réponse que la montagne donnera à Garrick. Je suis la montagne. Je vais lui donner des réponses, moi, à votre Garrick, y'a pas de soucis. On va bien s'entendre. C'est grand, Gagazette! Oula. La même combinaison qu'avant. Ah! Est-ce que je peux faire breakdance? Que ça marche. Oh oui. Une fois mieux. Après Samba. Cool. Ok. Alors de marcher des masses. Oh yes, c'est repassé. J'imagine qu'on peut pas louper quand ils sont en stop quand même. Je vois pas comment il peut dodger. On l'enchaîne.
Excellent. Le breakdance, c'est la vie. Il y a eu 3 remèdes. Très très bon. Et donc on a appris Samba. Pour doubler les HP maximum des alliés. Et dans ce final, les alliés infligent systématiquement des coups critiques. Systématiquement des coups critiques. Écoute, les hurlements du vent, ils crient vengeance pour les roseaux. Je ne crois pas. Ouais, que la chanteuse peut devenir vachement offensive. C'est pas mal. Les roseaux ne connaîtront de la félicité que lorsqu'ils auront exterminé les guado. Si tu le dis. Oula. Breakdance. Pierrot Drago. Ok, il n'y a pas de garde, tout va bien. Ah par contre, on peut pas faire de combo quand ils sont en stop. Intéressant. C'est pas tout le temps du monde de toute façon, j'imagine. Oh oh. Il y a un combo juste avant de le stopper. Alors à noter que j'ai regardé un peu les équipements que j'avais sur mes persos. Riku a une défense contre Fury, donc les choses comme charge chez les guerriers, qui donne booster et Fury à tout le monde. Pour des combats où je sais que je vais juste attaquer avec Yuna et Pain, c'est pas mal. Hop, on a activé le téléporteur, excellent. Parce que Riku, qui me sert de support, ne va pas être affecté par Fury. Donc pour Riku, je vais pouvoir continuer de faire des sorts et des danses, et ça va être la fête. Comment ça, il a garde? Il a pas garde d'habitude? Quel bâtard. Parce qu'il m'a mis XP 0. Ouais, il m'a mis XP 0, le salaud. Fouine au bénite. Petit saligo, là. D'habitude, il se fait stopper. On me dit dedans. Le gars me pousse, hein, Lorenzo. Et Lorenzo détruiront ses vermines de guado, aux côtés de Garrick. C'est une mauvaise idée. Je continue de dire que les clips de Blitzball des Ronzo n'a rien à voir. Des Guano, pardon, n'a rien à voir avec tout ça. Hein. Même le grand invoqueur ne pourra pas arrêter Garrick. Oh chiche! Est-ce que tu veux vraiment jouer à ce petit jeu, mon gars? J'ai tué Sin, ok? Des Guano ou des Ronzo, il ne peut rester qu'un peuple. Oh là là. Si ça se trouve, ils sont tous en train d'aller au bain thermal, là. En mettre pépouze, là où on a volé un uniforme, fut un temps. Ah, c'est par là. La cascade. Bonjour. Bâtard. Anti-flambeau, ça a été appris. Excellent. C'est encore mieux dans une app où il y a des flambeaux, mais... Excellent avant tout. Je sais pas si je suis censé grimper ou pas. Je pense pas. Les Ronzo, ça grimpe pas. Ah, juste avant qu'il attaque. Est-ce qu'il y a des Ronzo par ici? Il y a un temple normalement, non? Enfin un temple, un truc important pour les Ronzo, non? Okay.
Oh, il est pas mort. Le bâtard. Bon, heureusement, il fait pas mal, mais il est résistant. Magique roc de feu. Je suis perdu. Ah, une stèle. Ah non, pas du tout. Je sais pas si je suis censé aller par là. Je suis complètement paumé avec vos histoires de gagazettes. Il se passe rien par ici. J'ai perdu, c'est ça? Oula. Alors, il fallait peut-être que j'escalade quand même, finalement. Oh, bâtard! Il a la garde. Ça fait mal. Obscurité. Ah, ça marche. Excellent. Ouais, je suis en train de me questionner. Est-ce que vraiment il aurait pas fallu. Mieux valu en tout cas que. Que je grimpe. Parce que s'il veut crier à la montagne, j'imagine qu'il va aller en haut de la montagne. Ok. A pris SOS Carapace. Cool. Du coup, on va partir sur charge. Vu qu'on a le SOS Fury de toute façon sur Riku, ça semble une excellente alternative. Et le mieux, c'est de pouvoir faire charge, et que Riku est en chanteuse, le truc qui fait que on fait que des coups critiques. Du coup, on aura booster, fury. Notre résistance, ça va dépendre de carapace et blindage. Et en dehors de ça, on fait que des coups critiques et on défonce le mec en face. Ça me donne bien envie quand même. Est-ce qu'il fallait que je monte du coup ou pas? Est-ce qu'on va au bain thermal? On a tous envie d'aller au bain thermal, faut se l'avouer au bout d'un moment. Ça fait un moment qu'on voit plus de Ronzo là. Avant ça me permettait. Quand il y avait qu'un seul chemin et qu'il pouvait avoir une utilité, ça me permettait juste de me dire bon, on est sur le bon chemin. Et maintenant qu'il y a plusieurs chemins, c'est genre. Non, on a plus de guide. Plus personne qui lui dit où aller. Pris par surprise, pris par surprise, ça ne permet pas. Oh là, il y a de l'oversoup et des trucs comme ça. De l'oversoup. on a eu mal là. On rigole, mais il est mort. Slow, c'est pas grave, nous on fait du stop. Ok, bon. C'est encore le sept toxique. Takes me to
S'en est pris plein la tête. Mais on a récupéré pas mal d'XP, c'est plutôt cool. Est-ce que je suis du bon côté là? Je sais pas. Apparemment oui. Bon, on est encore à Gagazette là. Si on va vers le haut, non, je sais pas, attendez, déjà on va sauvegarder, on va se mettre bien. On va se mettre bien, histoire d'éviter de se prendre un vieux game over. Nickel. Alors par là, je crois que c'était la fin du monde. Par là. Non ? Pourquoi il y a une sphère là ? C'est Shinra qui a mis une sphère au niveau des bains. Petit chenapan, là. Bon, faut qu'on monte alors. Montons davantage, on va voir. On va trouver. Oh, bâtard. Oh, ils ont garde, les Vespa. Ah oui, j'ai pas de... Je peux encore Izuna. Sur play, malheureusement. Pourquoi je peux rien faire? Fuir. Je peux rien faire. Je comprends pas. Ah, juste poison là. Oh, les dégâts quand elle anti-rose. Ça change les choses. Hein. Ok. Quelques complications. Ok, on va sortir ça. Soigner les gens. Cool. Alors, on disait peut-être qu'il faut monter encore plus. Si on montait encore plus, hein. S'il y a que ça pour faire plaisir. Bon, on me dit au sommet de la montagne, je vais au sommet. Enfin, là-bas, on peut encore monter. Ah, le canicide. J'ai vraiment vu un 2800 sur l'écran. On était là. On va trouver, hein. On va trouver, non, pas douter. Oula, j'aime pas ça. Sur Vespa, danser dans sa vagante. Oh non, il y a une confusion là. Nous sommes face à une confusion.
Nickel. This one's just for you. 2900. Excellent. Anti-éléments. Contre les élémentaires, j'imagine. On va monter par là. Ah non, il faut passer. Oh non, oh non. Ah, il faut se tenir bien sur le truc là. Bien contre le mur. Voilà, là on peut monter. Ok. Compliqué le gagazette, hein. Ça me dit que je suis pas au sommet là. Oh mon dieu. Ça ne s'arrête jamais. Là on va arriver aux ruines où on était avant. Putain de temps. Ah oui, complètement. Ruine du Gagazette, partie basse. C'est là qu'il est allé, le Ronzo, vraiment? Bon, je veux bien aller au sommet, hein, mais... J'espère que c'est le bon chemin. Ah, la porte était là. Oula, oula. Ça va vers Soul. Est-ce que j'ai déjà le truc anti-dragon? Non, pas encore. Je crois qu'il y en a un. Anti-draco. Phobie des armes à feu. Vraiment, c'est une compétence, ça. Ah oui. Ah oui, la vache. C'est une compétence. Ah, ça marche pas l'obscurité. Oh, oh. Ok, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça pourrait être pire. Who's your Riku? Mais stop, ça marche. Bon. On va bien fait de commencer par ça. Oh mais bâtard! Qui est embêtant? Bon, j'y vais en mode YOLO, ok, mais quand même. Je me trompe dedans, ceci. Je fais n'importe quoi. Je pense qu'on y est tellement presque. Ok. On a fait n'importe quoi. Je dis on parce que je vous inclus dedans. Clairement, il s'est passé n'importe quoi. Mais ça m'étonne que le Ronzo soit dans les ruines, hein, honnêtement. Je verrais plus crier à la montagne... Mais non, c'est pas là qu'il faut que j'aille, en dessous. Je vois plus crier à la montagne là où il y a de la neige, quoi. Si on ne devait pas nous tromper de danse. Ça devrait aller beaucoup plus vite parce que ce n'est pas un oversoulé. Voilà. Alors. On va aller là où il y avait le boss la dernière fois. Et si c'est pas là, bon, va falloir que je regarde où c'est. Parce que sinon on va tourner en rond. Je pourrais retenter d'aller au fond de la grotte. Mais ça ferait 3 vidéos de 30 minutes. Globalement. Ok. Il faut encore monter là-bas. Il y a une sphère, hein, tout en haut, je pense, donc...
Si c'est pas le bon chemin, je vais retourner au vaisseau et... éviter d'avoir à redescendre l'entièreté de la map. Non, ok, ça confuse pas. Cool. J'ai eu peur. On se souvient d'un temps, c'était une compétence qui faisait confusion, ça. Hein. Alors, on passe par là, on saute. Bon, on n'aura pas le temps de sauter. Beaucoup d'ennemis ici, hein. Donc ça va. J'imagine que la phobie des armes à feu, c'est uniquement quand il est au vert saoulé. Cette danse incroyable. Alors, voilà. Hop là, on saute là, c'est la folie. Ah, pas de limite. Nous aussi, on demande à la montagne. Le truc, c'est que ça m'étonnerait que ce soit là parce qu'il n'y a pas de montagne. Mais bon. Point on en est, hein. Nope. Ce n'est point ici. Mince. Tout ça pour ça. Bon. On va arrêter l'épisode ici, moi je vais regarder où est-ce qu'on est censé aller, histoire d'éviter d'avoir 115 chemins à faire dans les bois, enfin dans les bois, dans la montagne plutôt. Et on se retrouve pour le prochain épisode de Final Fantasy X 2 Age of Master, dès que possible bien entendu. On va continuer cette quête, on va essayer de trouver l'ami Garrick, et de lui faire entendre raison, hein, bien entendu. Non, je peux sauvegarder par-dessus l'autre truc, ce sera très bien. D'ici là, des bisous. Bye.